Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes dimanche 24 septembre 2023, c'est parti pour une vidéo à Lidl de Choisy. Alors aujourd'hui, spécial mode et voiture, les doudounes. Alors même s'il fait encore un petit peu bon et tout, c'est des doudounes légères, donc que vous pouvez mettre même s'il fait un peu plus froid. Avec un bon gros pull en dessous ou là pendant les petits moments où il fait un peu frais, 17,99€. Alors il y a gris, alors il y a une capuche, c'est cintré, donc elle existe en grise, en jaune et cette couleur rose. Alors celle-ci n'a pas de capuche et la jaune n'a pas de capuche non plus, il n'y a que la grise qui a une capuche. Au niveau des tailles, on va retrouver du S au XL. Ensuite, on les a en longue à 21,99€. Alors l'année dernière, on les a eues en longue et je me souviens qu'elles sont pas restées longtemps dans les bacs. Et c'est vrai qu'elles sont sympas, vous voyez, elles sont longues avec deux poches. Il y a trois couleurs, donc il y a du vert avec capuche. Il y a la grise, par contre celle-ci n'a pas de capuche. Et on a la beige là. Qui n'a pas de capuche. Et après, vous voyez, c'est pas les mêmes designs. Celles-ci, elles sont à boutons avec un gros col comme ça. 21,99€. Après, on a les doudounes longues sans manches. Alors ça, c'est très bien. J'en ai une noire. Alors que je n'ai pas acheté ici. Parce que l'année dernière, je crois qu'ils n'avaient pas fait les longues. Alors elles sont à 19,99€. Et ça, c'est vraiment bien. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, en mi-saison avec un gros pull en dessous ou une petite veste. Moi en ce moment je la mets avec une petite veste légère, ça me permet d'avoir la capuche. Alors en parlant de capuche, celles-ci n'ont pas de capuche, 19,99€. On a un autre style de doudoune. Alors celle-là, elle est entre la longue et la courte, elle est à 16... Non, je vous ai dit des bêtises. La doudoune sans manche, elle est à 16,99€. Et donc celle-ci est à 19,99€. Donc celle-ci, elle est entre la longue et la courte. Donc elle a une ceinture. Donc c'est un autre style. Hein. Donc il y a bleu, il y a du marron et il y a vert. Moi j'aime bien la bleue. La bleue est sympa, ça change un peu. Et après on a les doudounes sans manche à courte à 13,99€. Pour le coup, j'aime bien le beige là. Bon, moi, je ne suis pas très couleur claire. Donc, on a du beige, on a la noire. La noire, elle a une capuche. Alors, d'habitude, ça va par trois. Je ne vois pas la troisième couleur. Mais peut-être que ces deux couleurs-là, alors. Ensuite, on va passer chez les hommes. Donc, pareil, une doudoune courte avec manche. Elle est à 17,99€. Donc, on a du noir. On a du vert. Et on a du bleu. Alors la bleue est avec capuche, les deux autres sans capuche. J'ai vu qu'il y avait aussi une couleur. On a du orange. Moi, j'aime bien. Un peu une couleur pétante et c'est assez sympa, tiens. Pareil, vous allez avoir du SOXL. On a encore une autre couleur. Ah non, c'est, vous voyez, bah, ça c'est la troisième couleur pour femme. Pour la doudoune sans manche. Ensuite, les doudounes sans manches pour hommes, 13,99€. On a gris. Après, en dessous des doudounes sans manches, vous pouvez très bien mettre un petit manteau léger, une petite veste légère. Hein. Donc, on a du vert, kaki. On a le bleu. Alors, le vert, le bleu et le jaune. Et la jaune. Ensuite, on a vu homme-femme. On va passer aux enfants. La doudoune légère, fille, 11,99€. Alors, fille... cette taille-là, je crois que ça part du 8-10 ans jusqu'au 13-14. On a du mauve comme ça et du noir. Alors, il n'y a pas de capuche pour celle-ci. Pour les plus petites, on a celle-là à 9,99€. Rose à capuche et on a bleu là avec les petits cœurs mauve et jaune. On a la version garçon 9,99€ pour les petits. Alors, quand je dis les petits, c'est du 2-4 ans, je crois, jusqu'au 7-8 ans. On a la noire et la rouge et noire. Et puis, on a la version garçon taille un peu plus grand. On a noir. On passe à l'arrivage voiture avec ce spray répare crevaison.
C'est 5,99. Alors je trouve que c'est très utile. Alors c'est vrai, hein, quand on crève, bien sûr, il vaut mieux aller changer son pneu ou le faire réparer. Mais ça va vous permettre au moins de repartir jusqu'à la prochaine, au prochain garage ou faire un petit peu de kilomètres. Mais évidemment, une fois qu'on a mis ce spray-là, on reste pas, jusqu'au lendemain pour changer son pneu et on arrête de rouler. Mais ça permet de regonfler le pneu et de pouvoir encore rouler un petit peu. En fait, il y a une mousse qui va venir, il me semble, hein, colmater le trou du pneu. 5,99, j'en parle parce que moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'a sauvé, ça m'a évité d'appeler une dépanneuse ou enfin de pouvoir au moins trouver une solution. Donc 5,99. Les caméras d'inspection, 54,99€ pour inspecter les cavités, les tuyaux ou les zones difficiles d'accès. Quand on fait par exemple de la mécanique. Donc 54,99€. Les douilles à choc à 11,99€ avec protection clé à choc. 11,99€. La housse de protection pour moto, 9,99€. Donc hop, je vous laisse les tailles. Donc je vous laisse les tailles parce qu'il y a plusieurs tailles. Hein. Ça va dépendre de votre moto. 9,99€ pour la protéger là, de la pluie, mais pas que. Hein. Si vous ne l'utilisez pas, vous l'utilisez vraiment à des moments bien particuliers pour la protéger aussi de tout ce qui est poussière ou autre. La clé dynamométrique, 19,99€. Donc il y a 5 pièces. L'extincteur à feu, 12,99€. On a vu les bâches pour les motos, on a les bâches pour voitures, 16,99€. Pareil, attention, il y a des tailles, donc ça va jusqu'à moins 30 degrés. Résiste aux intempéries, déperlant, protège de la neige et du gel, ainsi que de la saleté, des végétaux et de la résine. 16,99€. Puis on a les tapis de voiture tout en 4 pièces, 9,99€. Moi, je sais que dans certains pays, c'est les tapis qu'on retrouve à 90%, parce que c'est vrai que c'est des tapis qui sont intéressants, on peut les nettoyer à grandes eaux, on va dire ça comme ça. On peut les nettoyer avec une lingette, avec un chiffon, une serpillière. C'est beaucoup plus pratique à nettoyer que les tapis en tissu. 9,99€, alors il n'y a pas de taille, ça sera à vous de les découper, je pense, selon la taille de votre voiture. Alors après, il y a des indications. Il y a 4 pièces. Tapis de sol pour garage, 9,99€. Donc ça, c'est intéressant si vous faites de la mécanique. Hop, absorbe efficacement les taches d'huile, la saleté et l'humidité et protège le sol. Et alors, c'est ce que je... Ah, voilà, il y a 1,50 m sur 76. 9,99€. Protège par brise. Alors en général, hein, ça on les voit plutôt l'été, mais moi la première, je pense pas à le mettre en hiver pour protéger du verglas. Alors depuis l'année dernière, j'essaie de le faire. Là, ça évite de gratter le matin. 2,99€, donc c'est un protège par brise isotherme. Si vous en avez un, normalement, si vous en avez un, déjà regardez si je fais pas aussi les deux. Normalement, ils font les deux, vous voyez, moins 50 et plus 70. Donc vous devriez pouvoir utiliser celui que vous aviez, si vous en aviez un, cet été. Set de nettoyage auto, 16,99€. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le réservoir 600 ml, la brosse. Donc évidemment, c'est un set de nettoyage à mettre sur votre Karcher. Chariot de mécanicien, 29,99€. Hop, position allongée ou assise. Transformable en tabouret d'atelier et seulement quelques étapes. Et pour mettre votre set de nettoyage auto, si vous ne l'avez pas déjà, on a le nettoyeur haute pression à 49,99€. Hop, voilà. 1300 watts, pression, débit et accessoires inclus. Donc pour nettoyer la voiture, les sols, les murs, 49,99€. Cliquet télescopique, 12,99€. Les tendeurs élastiques, 7,99€ le set. On a le mini compresseur, 15,99€. Donc pression maximum
10 bars. Alors justement, moi ce que j'avais regardé sur la dernière fois, parce que je cherchais un compresseur, mais finalement moi j'ai acheté le compresseur, vous savez l'autre, le rond là, que je vous ai montré, même qui était en promo la semaine dernière. J'avais hésité avec celui-là parce qu'en fait j'ai pas vu, c'est idiot hein, j'ai pas vu la petite image de la voiture, et je me demandais s'il était assez justement assez fort pour gonfler les pneus de la voiture. Peut-être une question idiote pour certains ou certaines, mais donc du coup j'ai pas pris celui-là et j'ai attendu d'avoir celui spécial voiture. Donc parce qu'il y a l'aiguille pour le ballon, on a pour, il nous montre les pneus, les jeux, etc. La roue de vélo, mais j'ai pas vu la grosse roue de voiture. Alors, vous allez peut-être me dire vous, mais en fin de compte c'est dans cet arrivage-là, puisque la prise, c'est une prise pour allume-cigare. 15,99. Donc les connaisseuses, dites-moi si ça, avec ça, on peut aussi faire les roues de la voiture. Après, je sais que l'embout, c'est celui-là, hein, mais voilà. Visseuse à choc, 79,99€. Donc tout à l'heure, on a vu les douilles. Donc visseuse à choc sans fil pour voiture. Il y a la batterie et le chargeur hein, qui sont compris dedans. Et on finit par la pompe pneumatique avec compresseur à piston. 59,99€. Alors je regarde s'il y a ma petite roue de voiture, vous allez me dire, mais du coup je vois pas non plus, mais je sais que celui-là il fait hein, pour les roues de voiture. J'ai un ami qui a celui-là et franchement il est vraiment bien. Alors ce qui est bizarre, je compare, mais il y a écrit maximum 8 bars et celui d'avant c'était un 10 bars. Donc 1100 watts. Bon, allez, je laisse les connaisseurs me mettre en commentaire. Il est à 59,99€. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite un bon dimanche. Et puis sinon, à tout à l'heure pour d'autres vidéos.